Ah mais mon dieu, on dirait, mais Hugo il m'a dit que je ressemblais au mec dans Assassin's Creed. Ah oui, non. Coucou tout le monde, on se retrouve pour Vlogmas numéro 14 déjà. C'est énorme de se dire que j'ai déjà fait 14 vidéos. Donc on y arrive, on y arrive, on y croit. Oula. Regardez là. Elle est en mode chasseuse. Elle s'amuse avec sa petite souris. En peluche. Elle est trop mignonne, elle est excitée là. Je vous retrouve super super tard parce qu'il est pratiquement 1 h. Et en fait, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10 h. Et quand je me suis levée, on a rangé ce qui restait à ranger. Et surtout, on s'occupait des paquets cadeaux parce que qui s'étaient accumulés en fait du côté de maman et en fait, pour Hugo. Parce qu'il faut savoir que Hugo, son anniversaire, c'est le 18 décembre, c'est vendredi. Donc il y a l'anniversaire d'Hugo, puis il y a Noël. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs ce mois-ci. Et du coup, on a fait les paquets ce matin. Donc ça nous a pas mal occupé. Déjà, avant de les trouver et avant de savoir quoi donner et tout, c'était un peu comique. Et donc là, ça y est, on a tout fait. Moi, j'ai empaqueté les cadeaux des dernières ga gagnantes de Vlogmas. En tout cas, j'en ai deux pour le moment. Vous voyez qu'ils sont là, ils sont prêts à partir. Donc j'en ai deux. Et puis voilà. Et cet après-midi, on va bouger un petit peu. J'ai déjà un rendez-vous moi cet après-midi. Et après, on va faire les courses. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plus rien dans mon frigo et que ça commence à être inquiétant. Donc on va aller faire les courses et on va aller faire deux, trois autres trucs. Notamment, j'aimerais aller chez Jiffy pour acheter un greffoir à Bella parce qu'ils sont actuellement en liquidation et j'en avais vu un qui était top pour elle. Sauf que franchement, il était super cher pour ce que c'était. Donc je me dis que là, s'il est en réduc, ça vaut le coup. Et je veux vraiment lui changer parce qu'il est pas pratique le sien. Enfin, je viens également de recevoir le nouvel agenda de Natasha Bird et Julie de leur e-shop. Donc c'est l'agenda 2016. Et vous voyez qu'il est comme ceci. J'ai toujours l'autre qui est toujours sur mon bureau. J'ai tous leurs cahiers d'ailleurs. Toujours. Je les trouve trop jolis, à savoir celui-là. Et le Girls' Wall que je trouve trop joli. Et donc celui de 2016, il est comme ceci, c'est Fly Me to the Moon. Et il est hyper mignon, il est super bien fait. Donc je viens de le recevoir, donc j'ai pas trop trop regardé. Puis comme je vous l'ai dit, je faisais les paquets, mais il est comme ceci. Voilà. Ceci est pas mal aussi. Enfin, voilà. Si vous voulez le retrouver, c'est sur le shop Les Filles A. Vous vous souvenez hier quand on vous disait avec Hugo combien elle avait ronflé maman et Oh, qu'on avait passé une nuit terrible et qu'on était crevés. Regardez, en exclusivité, faut vraiment. Là, je mets toute dignité de côté, je me dis. Enfin, je sais qu'elle va fuiter cette photo dans tous les cas. Regardez dans le train comment on était mort. Hein. C'est maman qui a pris la joie, évidemment, de nous prendre en photo. On était mort archi mort et évidemment qui c'est qui remporte la palme d'or du truc le plus ridicule? C'est moi. Cette tronche. Non mais mon dieu, on dirait, mais Hugo il m'a dit que je ressemblais au mec dans Assassin's Creed. Ah oui, Il est non mais c'est tout con. à fait ça, parce qu'il m'a montré la photo. Mais non, j'avais trop mal aux yeux là, avec les néons, donc j'avais mis ma capuche, j'avais mis le foulard dessous, j'avais froid, enfin bref, Ça horrible. s'est passé dans Star Wars, Qui? le petit là, Ewok là. Tout le monde, donc là on vous retrouve, il est 4 h 30. On a mis un petit peu de temps à démarrer cette journée parce qu'en fait on a fait l'erreur de se mettre devant la télé. Vous savez, les films de Noël sur la 6 qui passent durant cette période et qui sont tous incroyablement géniaux quoi. Une fois qu'on s'y met devant, on a juste envie, c'est d'y rester toute la journée. Et d'habitude, chaque année, je les suis. Je crois que je les ai presque un petit peu tous vus. Et là, depuis cette année, je n'ai pas regardé un seul. Donc cet après-midi, maman m'a dit viens me voir. Et puis voilà, on l'a regardé en entier. Donc on est parti de la maison à 4 h moins le quart, je crois. Là, je sors de mon rendez-vous. Un petit rendez-vous. Et là, on va. Alors? Mais j'y fais. J'y fais? Voilà, on va à Jiffy. Du coup, voilà, on est à Jiffy. Malheureusement, il n'y a plus de greffoir. Alors, le seul qu'il y a, il compte 3 mètres. Et c'est pas du tout ce que je veux. Enfin, j'ai pas la place. Donc, du coup, là, on est au rayon d'anniversaire de bougie pour Hugo. Parce qu'on compte bien lui faire. Oh mon dieu. Ouais, faudrait qu'on fasse un truc marrant. Regarde-moi ça.
ma jambe. Ça fait du bien. Ça va, chou? Ah ouais, ça fait du bien. Oh, j'en peux plus. Ah ouais? Ah, ah ouais. Oh, ça te tardait quand même de chercher. Ah, oh oui. Que tes femmes arrivaient. Ah oui. Eh? Oui, parce qu'il nous dit mes femmes, des fois. C'est trop mignon. Oui, mais c'est rare. C'est arrivé une fois et on s'en souvient. Ah, ça y est, c'est parti. On est véritablement aux courses. Ça y est, les bus sortent. T'as vu? Ah ouais. Ah ouais, franchement, moi, j'aime pas attendre Noël pour ça. J'aime trop ça. Ouais. Tu sens la nourriture? Tranquille et au bout. Donc on revient des courses et puis ben voilà. Sachant qu'il y en a une autre partie chez maman, mais ça en fait c'est tout ce que moi je veux dans mon frigo pour le cuisiner moi-même. Mais après il y a des trucs qui passent pas et après tout ce qui est jus de fruits et tout ça reste stocké là-bas. Donc bref, voilà le résultat des courses. Et il y en a là. Mais c'est pour le gâteau de dimanche, de mardi, vendredi. De vendredi, je vais faire toujours ça. Ça commence bien. Il y a quoi vendredi? Il y a mon anniversaire. Hello, je suis rentrée, il est 19h15 très précisément. Voilà, comme ça vous suivez un petit peu le fil de la journée. Et je voulais faire un point parce qu'aujourd'hui c'est la sortie officielle. Officiel de mon nouveau kit de pinceaux, à savoir le Gold Mini Kit, que je vous avais brièvement présenté en toute exclusivité dans de précédents vlogmas au tout début, quelque chose comme ça. Je vous avais montré notamment la pochette ainsi que les pinceaux, leur petit look. Je vous avais pas dévoilé le nom, ni le prix, ni le détail des pinceaux. Et je ne vais pas faire de vidéo unique sur ma chaîne principale pour ces pinceaux là pour la simple et bonne raison que ce n'est pas la seule nouveauté qui va arriver et que j'attends d'avoir la confirmation et la réception en fait de la seconde nouveauté qui m'excite beaucoup et j'ai trop hâte de vous en parler. Ça va arriver très très vite, c'est vraiment une question de jours. Donc voilà, pour pouvoir mettre tout ça au point. Mais là du coup aujourd'hui je vais centrer un petit peu le vlog sur les pinceaux pour les montrer. Parce que pour toutes celles qui veulent les voir en vidéo, voir ce que ça donne et voir les références, les pinceaux qui s'y trouvent. Donc ça s'appelle le Gold Mini Kit. Il ressemble à ça, puisque donc le manche est totalement mint avec des détails dorés. On a une férule dorée. Donc évidemment il y a toujours le pinceau poudre qui est toujours le même. C'est juste voilà le changement de couleur. Toujours le pinceau pour le creux qui était déjà présent dans de précédents kits. Ça c'est une nouvelle référence et donc c'est le flat definer brush, voilà je vais y arriver. Et vous voyez c'est vraiment un pinceau pour le ras des cils qui est totalement plat ou alors en guise de liner parce qu'on en avait pas dans les précédents kits et moi c'est ça veut bien faire le focus, j'ai un peu de mal. Voilà, moi c'est ce genre de pinceau que j'aime bien et qui est vachement pratique pour tout ce qui est ras des cils. Donc voilà, là il y est. Nous avons quoi? Nous avons toujours le pinceau estompeur qui est comme ceci, qui était présent dans d'autres kits. Une nouveauté, c'est le pinceau pour le bronzer qui est vraiment, vraiment sympa. Donc je vais pas faire des éloges dessus parce que voilà, je sais que ça se fait pas, etc. Mais voilà, j'en suis contente. Et celui-ci, comme je le disais, je l'utilise depuis que j'ai reçu les premiers échantillons. Et j'aime vraiment beaucoup, je n'utilise que celui-ci pour appliquer mon bronzer. Donc voilà, c'est un petit pinceau précision très sympa. On retrouve le pinceau plat, comme d'hab, un must-have j'ai envie de dire. Ici, on retrouve le pinceau blush, qui est cette fois-ci non biseauté mais plat. Ensuite, on a à nouveau l'indispensable pinceau biseauté, qui est pour moi un des meilleurs, avec le goupillon de l'autre côté, pour le côté pratique. Et la dernière nouveauté, c'est le pinceau éventail, qui est absolument génial pour l'application de l'highlighter. Moi pareil avec le pinceau bronzer, c'est une des nouveautés que j'ai complètement adoptée et je n'utilise que ça pour appliquer l'highlighter sur l'ossature des joues, c'est hyper pratique. Donc voilà le nouveau kit, donc il est disponible comme d'habitude sur le shop de Sponjac dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a 9 références comme je disais, je crois même que j'en ai dit 8 mais je sais plus, je suis...
un petit peu, voilà, c'est toujours un petit peu stressant et excitant à la fois. Et voilà, c'est super cool, je suis super contente et j'espère vraiment qu'il vous plaira. J'ai trop hâte d'avoir vos premières impressions. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui l'ont commandé déjà, donc j'ai trop hâte d'avoir vos avis, comme à chaque fois. Et donc le prix pour ces 9 références, deux pinceaux avec la pochette bien entendu, est à 34,90€ et donc disponible sur Spongeac. Donc voilà voilà les filles, tout ce que je pouvais vous dire sur, sur ce nouveau kit, sur mon nouveau bébé. Je suis hyper contente et voilà, ça fait partie des nouveautés pour les fêtes et comme je l'ai dit, ce sera pas la dernière nouveauté. Donc mais ça je vous en reparle très très rapidement. Je vous mettrai le lien de Spongeac si ça vous intéresse en barre d'infos bien entendu. Donc ce soir je fais des tagliatelles, donc c'est cela, et du poulet au paprika parce qu'il m'en restait des aiguillettes. Donc voilà, tout simple. Ah oui, des tagliatelles à la carbonara, j'ai oublié de préciser. Très important pour Hugo. Re tout le monde pour cette dernière partie de vlog. C'est pratiquement 21h. Je vais aller me démaquiller, tout ça, tout ça. Mais avant, je voulais clôturer ce vlog, comme d'habitude, en vous montrant le cadeau du jour, qui est un petit peu inhabituel et que vous ne trouverez par ailleurs, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, c'est un coffret. C'est un coffret Revlon que je vais pas mettre à la verticale parce que sinon tout va tomber. Ça se prend comme ça, c'est une grande boîte en alu. Et en fait, c'est un coffret qui est destiné aux blogueuses slash youtubeuses éventuellement et à la presse. Donc c'est des coffrets vraiment exclusifs qui nous sont envoyés pour découvrir les produits de la marque, etc. Mais qui ne sont pas du tout vendus en tant que tels sous ce coffret là dans les points de vente physiques. Et en fait donc là à l'intérieur il y a toute une multitude de rouges à lèvres. Je crois qu'il y en a 16 si je me trompe pas. En tout cas il y en a beaucoup et en fait c'est issu des teintes vraiment mythiques des rouges à lèvres Revlon. Donc je trouvais que c'était un super beau coffret déjà à la base, vous l'avez vu sur le close-up. Une très belle idée cadeau et moi avant toute chose je possède déjà beaucoup beaucoup de maquillage, beaucoup beaucoup de rouges à lèvres. J'ai déjà des rouges à lèvres Revlon donc je voyais vraiment pas l'utilité de garder tout ça pour moi. Je suis pas du tout comme ça, je ne garde pas tout ce que je reçois, loin de là. Au contraire, je préfère en donner à mes amis, à ma famille, et voilà, en faire profiter ceux qui en ont plus besoin que moi. Et là, en l'occurrence, quand j'ai reçu ce coffret, j'ai voulu le garder pour vous. Enfin, je trouvais que c'était une belle idée de cadeau, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, c'est le cadeau du jour. Donc pour tenter de le remporter, je vous invite à m'envoyer en montage en suivant les instructions qui sont dans la barre d'infos. Je vous mets également le montage gagnant issu du vlogmas précédent, comme d'habitude. Et puis sur ce, moi je vous fais des millions de bisous. Et je vous dis à demain pour un autre vlogmas. Bye!